السلام عليكم. dans cette vidéo on va voir les procédures et les fonctions. غادي نشوفوا الاهداف علاش on a besoin d'utiliser les procédures et les fonctions dans la programmation. نشوفوا ايضا الاسباب الاساسيه اللي خلتنا نستعملوا la notion تاع les procédures et les fonctions في la programmation بشكل عام. en général les procédures et les fonctions ce sont une méthode de programmation اللي تخلي الانسان ولا اللي تخلي le programmeur يسهل لها عمليه le coding, c'est-à-dire عمليه كتابه الاكواد ولا لي بروغرام. اوكي دونك كاين هاد الاسباب الرئيسيه اللي ولا الاهداف اللي غادي نشوفوها. ديكومبوزي لو بروبليم اون ان سيرتان نومبر دو سو بروبليم، سي تادير الانسان كيكون عنده جينيرالمون بروبليم كومبلكس ولا معقد شي يدير تو سامبلومون يبقى ديكومبوزي، يقسم هذه المشكله الى عده اقسام صغيره، وهذا ما يسمح له بحل كل مشكله صغيره على حده. Donc, c'est la décomposition d'un problème en un certain nombre de sous-problèmes, c'est-à-dire des sous-problèmes ou bien tâches. Donc, deuxièmement, donc, combiner les solutions de sous-problème pour résoudre le problème courant. Déjà, le fait de décomposer le problème en sous-problème, donc les solutions les résoudre, je peux combiner, c'est-à-dire pour résoudre le problème courant. كورون باش نحل المشكل الاساسي المعقد اللي عندي ديجا لي ديكومبوزيته اون سو بروبليم. كاين نقطه اساسيه ومهمه جدا هي لا ريوتيليزابيليتي دي سو بروبليم بور ريزودر دوتر بروبليم، دونك هذه اعاده استعمال لي سو بروبليم بور ريزودر دوتر بروبليم مشاكل اخرى. دونك سي بون جي ديكومبوزي عندي دي سو بروغرام لي اتيليزيتهم باش احتاجيتهم باش نحل مشكله معينه. هنايا القوة تاع لي بروسيدور لي فونكسيون سي كو جو بو ريتيزي إعادة استعمال الأكواد اللي كتبتهم ديجا ولا لي بروغرام ولا لي سو بروغرام اللي كتبتهم ديجا باش نحل مشاكل أخرى. دونك حليت اليوم ان بروبليم افيك دي بروسيدور لي فونكسيون، جو بو ريتيزي هادو لي سو بروبليم بور ريزودر ان اوتر بروبليم، سادير في لا سومان بروشان ولا ان اوتر جور. دونك سي la réutilisabilité, et à l'extérieur. Quand un point, très important, c'est la lisibilité et l'organisation du code. Donc la lisibilité, c'est-à-dire qu'il y a un programme qui a mis en les procédures et les fonctions, il est lisible, il est macro. J'ai un qui chauffe le problème, il chauffe le programme, donc il peut le comprendre tout simplement. Il peut le il y a des procédures, des fonctions, ils sont bien organisés, voilà. Donc le mot organisation, donc les procédures, les fonctions, c'est une façon de s'organiser, c'est une façon d'organiser le côté. Donc le programme, l'exception, il est plus ou moins monadame, qu'on mène que tu par exemple, qu'on peut directement les procédures, les fonctions. Donc il dit, pas n'importe qui, il dit après le côté, il ferme. La lisibilité et l'organisation du code est importante pour les programmeurs, surtout qui sont les procédures et les fonctions. C'est très très important. Voilà. Je vois la différence entre les procédures et les fonctions. Donc, une procédure est un sous-programme. Donc, les procédures et les fonctions sont les sous-programmes. En général, ce sont les sous-programmes. Donc, nous l'avons doublé procédure. Le procédure est un sous-programme semblable à une fonction, c'est-à-dire directement la fonction, mais qui ne retourne rien. Mais qui ne retourne rien. Donc, la procédure me retourne les wello, c'est-à-dire me trajali wello comme information. Qui m'a cadre trajali plusieurs informations. Qui m'a cadre trajali plusieurs informations. Donc, on a dit en entrée, le bidet, on a dit données en entrée, c'est-à-dire les données servies. كان هنا سام وكان هنا لا بروسيدور فيها ان انسومبل دانستريكسيون والريزولتا شنو عندي سوا زيرو سوا زيرو ريزولتا استاذي ما ترجع لي والو او بيان بليزيور ريزولتا او بيان بليزيور ريزولتا تو دابور الى غنشوفو كومون ديكلاري ان بروسيدور دونك بور ديكلاري ان بروسيدور لا سينتاكس تاعها كيكون نكتب لو مو كلي بروسيدور دوزيامون نكتب لو نون دو لا بروسيدور اللي غادي نحتاجها فوالا دونك نو بروسيدور لو نو دو بروسيدور ليسونسييل يكون ان ايدونتيفيون فاليد سي تادير كيما لو نو تاع ان الغوريثم ولا لو نو دي فاريابل مي اللي خصو يبدا باغ اكزومبل ان نيميرو ولا ان تيغي دو 6 ولا
utiliser tiret de ciseaux floss, l'essentiel qu'on ait un identifiant valable, donc qui m'a les algorithmes et les variables. Donc, après le nom de la procédure, entre parenthèses, on dira les paramètres, les paramètres, ce sont, ou les arguments, ce sont des variables, l'utilisateur en entrée, la procédure, ce sont des entrées pour la procédure. Ok, donc on a toujours le paramètre, on dit deux points, le type 1, virgule, un autre paramètre, param 2, deux points, le type 1, et ainsi de suite. Donc, ça dépend, on a un paramètre, on a deux paramètres, on a cinq paramètres, et ainsi de suite. Après, on dit point, virgule, c'est en algorithmique. Donc, tout simplement, après la ligne Lula, tu as le mot-clé procédure, nom de la procédure et les paramètres. J'ai variable, est-ce que on a variable? Donc, il y a une méthode variable, déclarer les variables, qui m'a comme si on a écrit un algorithme. Au début, on dit le traitement, ensemble d'instructions, on a if, else, on a si, sinon, les tests imbriqués, les procédures, les boucles, et ainsi de suite, ou là, un tableau, AD. Et après, j'ai le résultat. Et après, j'ai le résultat. Soit, mais quand j'ai dit. Soit zéro résultat ou bien plusieurs. Économie, par exemple, un affichage des opérations sur les tableaux et ainsi de suite. Donc, je vous des exemples. Enfin, donc, c'est une procédure. Voilà. Donc, on a cadre tout simplement, c'est une procédure. Ce n'est pas obligatoire, mais Rebation indiqué les procédures de maintenant, comme le temps. Donc, voilà comment déclarer une procédure. Allez, je vois un exemple très simple. Rebation, nous faisons la notion des procédures. Exemple réel. Exercice produit une procédure qui permute deux nombres sans utilisation d'une variable intermédiaire. Donc, on a dans l'exercice plusieurs fois. On a une procédure, c'est-à-dire la permutation et un intérieur, le mutagayyirat, une variable intermédiaire. On a une variable temporaire. Donc, on a le mot-clé procédure. Après, le nom de la procédure, c'est permute. Entre variables, entre parenthèses, c'est les variables les nettoyons, ou bien les paramètres, ou bien les arguments. A, virgule, B, deux points entiers. A, virgule, B, deux points entiers, point, virgule. Les variables, des variables, début. Donc, on a la façon, je dis la permutation entre A et B, blême, nettoyons une variable intermédiaire. Donc, A reçoit A plus B, B reçoit A moins B, et A reçoit A moins B. Et fin procédure. Donc, de la façon, il y a les trois affectations. C'est pour les gens qui ont A, redaf B, ou qui ont B, redaf A. Donc, c'est un exemple d'une procédure. Donc, il y a des choses de permutation ou de l'intérieur des mutagayyirat fi ay makan fi un programme. Je vais appeler à cette procédure dans le cas. Donc, on a le nom de la procédure, on a les paramètres. C'est bon. Donc, maintenant, je vous comment appeler une procédure à travers un programme principal. Deuxièmement, je vous une fonction. La fonction, c'est quoi une fonction? Donc, la fonction, c'est une procédure. Mais, je vous une fonction est un sous-programme, toujours un programme semblable à une procédure, avec ma procédure, mais qui auront un et un seul résultat. Donc, la procédure, c'est que les fonctions trajent les résultats. Trajent les résultats, un seul résultat. OK? Donc, on a le schéma suivant. Donc, données. En entrée, donc à les entrées théoriques, à les traitements de la fonction. La fonction TF, il y a un ensemble d'instructions. Résultat chez Athénée. Donc on a atteint un seul résultat en sortie. Donc on a qu'un extérieur de la procédure parce que la procédure matrajalis résultat ou la trajalis plusieurs résultats. Donc on a la fonction trajalis un seul et un seul résultat. Comment déclarer une fonction? Donc on a dans la façon, c'est très important la syntaxe. Donc, on a comment déclarer une fonction. Donc, on a le mot-clé fonction, nom de fonction, nom de la fonction icône identifiant valable, et entre parenthèses, on a les paramètres qui mènent la procédure. Paramètre 1, type 1, paramètre 2, type 2, et ainsi de suite. Donc, la fonction, c'est qu'on dit le type de retour, tu as résultat, les radiations. Donc, on dit deux points, type de retour, par exemple, entier, réel, caractère, chaîne de caractère, et ainsi de suite. Donc, variable. Début et dire un ensemble d'instructions. On a dit par exemple un ensemble d'instructions. Ok. Bada, fait-elle,
بالتالي قبل ما ندير الفان عدي لو مو كلي روتورني سي اوبليغاتوار. الى كي نكتب هنا تيب دو دو بوان تيب فالور روتورني بصفه عليا نكتب لو مو كلي روتورني باسكو سي اون فونكسيون روتورني نكتب ريزولتا تاعي. الريزولتا تاعي اللي غادي نراجعها اللي غادي نراجعها اللي كون تيب تاعها هو اللي درته هنايا دو بوان تيب دو فالور. اوكي دونك شوفوا ان اكزومبل ريال باش تفهموا. Donc, on a un exemple réel. Exercice, écrire une fonction qui calcule la moyenne de trois nombres. La moyenne de trois nombres. Donc, tout simplement, fonction, le nom de la fonction, entre parenthèses, c'est les paramètres A, virgule B, virgule C de type entier et le type de retour réel. Alors, je dis le type de retour réel, c'est-à-dire la moyenne, les radis rajaha, les rajaha, fihad, le type de retour, les radis kon, bien sûr, adad, hariré. Donc, les variables, on a besoin, par exemple, la moyenne de type réel. Début. Donc, tout simplement, on va dire la moyenne de l'affectation, c'est A plus B plus C divisé par 3. On va dire retourner, retourner, le mot, c'est le mot-clé, retourner, ça doit être jali, la moyenne, le type de retour de est réel. Donc, voilà, c'est une fonction. OK. Donc, on va un autre point, écrire. Donc, c'est très important, c'est comment faire appel à ces procédures et fonctions depuis un programme principal. Qui fait une fonction ou la procédure, mais le programme principal, c'est-à-dire l'algorithme principal ou la fonction même, qui fait le langage C. Donc, je vous donne des exemples. Donc, écrire un algorithme qui fait un appel à une fonction et une procédure. Donc, appeler les sous-programmes au sein d'un algorithme, c'est-à-dire un algorithme lié à les procédures. Donc, qui fait dire donc, qui goulak, généralement fait un exercice et qui est un algorithme qui fait appel à une procédure ou à une fonction, c'est-à-dire que l'algorithme c'est normal, c'est-à-dire le mot-clé algorithme, programme principal, le nom, c'est le nom de l'algorithme. Donc, juste après, nous devons déclarer les procédures et les fonctions. Donc, voilà, déclarer un sous-programme, c'est-à-dire, par exemple, à dire une procédure, etc. qui m'accepte la procédure permuse, n'accepte directement le code de procédure permuse, n'accepte les instructions de faire procédure. Est-ce qu'on a une autre fonction, par exemple la procédure, on va déclarer une autre fonction, déclarer une fonction ou sous-programme, voilà, qui m'accepte toujours. La même fonction, l'accepte à la moyenne, ou n'accepte pas. C'est bon, comme la déclaration de les procédures, les fonctions, fil derrière le programme, l'algorithme principal, je n'accepte le corps de notre algorithme, les variables. Donc, les variables sont les variables globales de l'algorithme, c'est-à-dire var 1, var 2, var 3 de type entier, on peut déclarer var 4 de type réel, tableau. Donc, comme l'algorithme est tout simplement, on va dire début, on dire des opérations, les stages des opérations, maintenant, je fais appel à la procédure et les fonctions, mais bien début ou fin. Donc, on a dire permute, par exemple, je. Ben, la procédure permute l'accepte dans le programme principal. Voilà. Donc, on a un algorithme qui accepte la procédure permute. On accepte la procédure fonction. Donc, juste le corps de l'algorithme. Donc, on a un la fonction qui accepte le nom de la procédure. Entre parenthèses, on dit les variables ou bien les paramètres. Les paramètres, on accepte le type. On accepte les paramètres, les paramètres minimum, soit les variables, c'est sûr, mais les variables, les variables, voilà, qui en a var 1, var 2. Donc, on a un appel à la procédure permise, c'est de l'aide de la procédure, de les permutations, les valeurs, les valeurs, les variables 1, variable 2, ou la variable 2, tout à l'heure, variable 1. Maintenant, on peut dire d'autres opérations, des écritures, maintenant, maintenant, juste après, نقدر نعيط اون اوتر فونكسيون. هنا نعيط لا فونكسيون موان. دونك عمليه لابيل كيما لا فونكسيون كيما لا بروسيدور نكتب لو موكلي تاع الاسم تاع لا فونكسيون وندير لي بارامتر تاعي. دونك الكتابه تاع لي بارامتر اللي تحترم لي كيفيه الديكلاراسيون تاع البارامتر كيما هنا درت فار 1 فار 2 فار 3 نفيريفي تاعي لا فونكسيون تاعي فوالا فونكسيون موان درت هنا A فيرجول B فيرجول C. دونك هنايا عملية الترتيب مهمة جدا. دونك الفاريابل 1 هي ال A، الفاريابل 2 هي ال B، الفاريابل 3 هي ال C. اي فوالا بوان فيرجول. دونك من بعد ندير دي زوبيراسيون باغ اكزومبل ان افيشاج ولا حاجة أخرى. اي فان. دونك هذا سيت ان الغوريزم. سيت ان الغوريزم اللي غادي يبدا منا. الغوريزم. ويكمل حتى يكمل حتى لهنا. دونك كتبت لداخل فيه
deux procédures ou bien une procédure, this maintenant, et une fonction, fonction, fin fonction. Vada dit le corps de l'algorithme, les variables, et ainsi de suite. Les variables début, maintenant entre début et fin, l'appel de la procédure et l'appel de la fonction. Et maintenant, moi j'imagine, les procédures et les fonctions, on peut résoudre le même problème avec une procédure ou une fonction. Cela dépend du programme et de l'énoncé de l'exercice. Donc, à l'essai de l'exercice, le problème. Donc, à le même problème, une fonction, une procédure. Mais, il y a un point très important, c'est que l'exercice, l'énoncé de l'exercice qui demande l'examen, il faut écrire une procédure, une procédure. Une fonction, une fonction. Voilà, les procédures et les fonctions. Donc, les vidéos, j'ai l'ensemble des exercices de la fiche TD numéro 5.